à tous, je suis Cyr à mort et aujourd'hui on s'ouvre une case de mini-tin, même pas de Pokébox, destinée de Paldea. J'ai reçu la case scellée, j'ai juste mis un coup de cutter dedans pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Est-ce qu'on a bien toutes les illus? On a du fort ivoire, on a du roux de fer, et oui, il y a le Dracaufeu derrière, hein. On est trié par Pokémon, là. Comme ça, on va pouvoir se faire une petite compète de qui sera le Pokémon qui nous rapportera le plus de hits. Une pièce sur Dracaufeu ou pas? Non? Allez, arrachez-vous. Alors, première Pokébox, on a une carte promo à l'intérieur de chacune d'entre elles. Un très joli fort ivoire. Très joli, je ne sais pas, mais en tout cas, il est là. On va sortir le paquet de sleeves, parce que sur cette série, on a besoin de sleeves quand on ouvre. Une promo, déjà un hit. C'est le hit garanti, ça. Ça, on s'en fiche. On a nos 4 boubous, avec un doublé de Pikachu, ça fait toujours plaisir. Là, ça fera du rangement et c'est parti. Première Pokébox. On veut de la halte. Une non, arrête. Parle pas de malheur. Premier boubou, Mordudor. Ah, Gourmelet. Le 9, Charbombeng, Colossinge, Farfaduvet. Bagaïd, il faut que j'aille doucement parce qu'il peut y avoir un hit à la première reverse. Évidemment, c'est pas le cas tout de suite. Deuxième reverse, ok, démarrage donc très timide. Et une belle holo, recherche professorale du professeur Olim, merci d'être venu, c'est pas toi qu'on veut. Les petits Pika maintenant. Pikachu! Là, faut qu'on sorte notre premier Pokémon Alt sur Destiné de Paldea, on en a pas eu encore. On n'en a pas eu encore. Fampi, Deden, Erio, Famignol, Machine, Shiny, petite Shiny en vert. On a qui en vert? J'en sais rien. Arboliva. Ok, bah écoute, c'est une petite Shiny, c'est bien. On prend, purée, toi, rallume-toi. Nickel. Derrière, une petite Reverse. Et une petite Holo. Bon, on a notre premier hit. Déjà, on n'est pas bredouille sur cette Pokébox. Et il nous reste deux boosters. Hop, 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 c'est reparti. Le Pikachu. T'as démarré tranquille, quoi. Tranquille. Donald ! Je sais pas du tout. Ça gondole, oui, ça gondole. On peut dire ça. J'ai un petit pressentiment. Kirlia, Mime, pas du tout, c'est un double reverse classique, et il y a une full art quand même, le juge. Bon, hé, petite full art, c'est un petit hit, c'est bien. Petite booster Oyakata maintenant. On a toujours pas notre première alternative là. Menzi, Salamèche, Super Bonbon, Brio Chien, Faible Ball, Reptincel, River, Starsal, River, Salamèche, Holo, Maganon. Bon. Première boîte. Deux hits. Une full art, une petite shiny. C'est pas mal. Deuxième boîte de Fort Ivoire. On va sortir la petite carte promo. Hop. Les codes, on les enlève. Et les boubous. Pika, Oyakata, Forgelina, Malvalam. Oh, un art 7. Non, c'est bon. Faut la laisser là. Allez, c'est parti, deuxième boîte. Est-ce qu'on va faire mieux que deux hits? Pour l'instant, la meilleure boîte nous a fourni deux hits. Je pense qu'on peut mieux faire. Magmar. Menzi. Salamèche, qui appelle le Dracaufeu, sac de Menzi. Farfaduvet. Erio. Reverse.
Reverse. Holo. Pas ouf. Boubou suivant. Il est plus lourd. Il est plus lourd celui-là. J'ai senti, il y a du poids dedans là. Salamèche, Colossinge, Farfaduvé. Il y a peut-être un Ronflex. Compagnol. Peut-être juste de Reverse, tu vois, on sait pas. Il y avait absolument rien. Alors par contre, les boosters destinés de Paldea où il n'y a pas de hit, c'est décevant. Hein. Normalement, les hits là-dedans, ça tombe de partout. On va quand même pas se faire une Pokébox vide, c'est impossible. Ça n'existe pas, ça. Ferrosinge, Flotillon, Ectoplasma. Machine technique, point de crise. Le nom est ultra long. Briochien. Une petite shiny en jaune. Allez, mets-moi un Pikachu, c'est bien. Mais j'aime pas le qui font sa mauvaise réputation en bas à droite. Là. Fulguris. Ouh, c'est pas mal, c'est très joli. Super dauphin derrière en air. Et encore un troisième hit. Non. Noix de coco. Bon, double hit. Ça rattrape un petit peu le premier booster. Enfin, les deux premiers boosters qui ne contenaient rien. Fulgurus, c'est du légendaire. On aime bien. En shiny, c'est cool. Super dauphin, c'est l'AR que je préfère. C'est Batman, mais les AR dans Destiné de Paldea, ça tombe beaucoup trop. Destiné de Paldea, last boubou of the second box. Mais moi... un Pokémon en alt, s'il te plaît. Natu, Hyperball, Colossinge, Farfaduvé, Fantominus Reverse. Ok. Sur 4 boosters, il y avait 3 boosters qui contenaient aucun hit. Pour l'instant, on fait 2 boîtes, 2 boosters, enfin 2 hits par boîte. Plus la promo, effectivement, mais je trouve ça un peu timide pour du Destiné de Paldea, même si c'est excellent d'avoir un hit tous les deux boosters en moyenne. Destiné de Paldea, on est limite habitué à mieux. Alors on passe à Roue de Fer maintenant. Est-ce que Roue de Fer va nous faire mieux que Fort Ivoire? En nombre de hits, ça va pas être trop dur de faire mieux. En qualité de hit, ça devrait pas être trop dur non plus. On n'a pas eu de grosses dingueries. On devrait pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on a un petit Arcet? Non, on n'a pas de Pika. Troisième Pokébox. On a envie de rêver un peu. Voir un gros truc sortir. Frigodo, Grondog, Tarsal, Colline Claire de Lune, Camerupt, Erio. Ah ah ah! Petite Shiny en rouge. Entei Salamèche, Reptincel. Plumeline. Ok. Rhinolove et Xatu. Ok, bon, écoute. On a un hit supplémentaire. On s'en plaint pas d'en avoir un. C'est vrai qu'en petite shiny, il y a peut-être un petit peu mieux que le Plumeline quand même à faire tomber. Hop. Mais il y en a tellement des petites shiny dans cette série. Tellement, tellement, tellement. Est-ce que ça gondolerait pas un petit peu là? J'ai touché une halte sur le côté là. C'était une holo. On aurait dit une halte. Donphan. Une AR peut-être. Krakos. Compagnol. Rien du tout. Non non. C'était bien vu. Saint-Salzar a bien senti une holo. Là maintenant il va y avoir un truc. Là, dans celui-là? Là, maintenant. Ouh, l'annonce de Saint-Salzar dans ce booster. À travers le booster, il a lu qu'on allait avoir un hit massif. Alors, vérifions. Poulpaf, Frigodo, Deden, Reptincel, Machine Technique Point de Crise, Briochien, Dogrino, Rhinolove, Unolo. Pour l'instant, on a eu quoi dans la Pokébox, là? On a eu Plumeline et c'est tout! Non, attends. Attends. On a eu un seul hit sur la première Pokébox? Il va bien y avoir un truc dans le dernier booster. Lupio!
le nom trop long, Krakos, sac de Menzi, Compagnol. Non ! Non ! Qu'est-ce que c'est que ces boosters destinés de Paldea complètement éclatés au sol qu'on est en train de s'ouvrir là ? Est-ce qu'on aurait mal choisi la case ? Après, il suffit d'une boîte complètement abusée avec que des haltes dedans et puis on n'en parle plus. Hein. C'est vrai que pour l'instant, on est un peu sur notre faim. Le roue de fer, y voilà. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Les petits bobos. Et on est à la moitié de l'ouverture. Et pour l'instant, meilleur Pokébox nous a donné... Ah, on a deux Pikachu, là, ça va tout changer. La meilleure Pokébox nous a donné deux hits. Et quel hit ? On n'a pas eu un hit qui tenait vraiment la route, pour l'instant. En gros hit. Ouais, les promos, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Allez, pote à chiot, Monsieur Mime, Mime Junior, Donphin, sac de Menzi, Krakos, Reverse, Reverse, Holo, oulolololololo, c'est la douille. Après, un booster qui contient un Pokémon Halt et c'est plié. N'importe lequel. Ouais, franchement, Gardevoir, Mew ou Dracaufeu, on fera pas le difficile. N'importe lequel. Kirlia, Tombéro en reverse. Ouf. On respire. Un hit. C'est un peu la désillusion, hein. Pour le moment. Est-ce qu'il y a un drac ? Pas sûr, hein. Allez, Eoko, Fantominus, élève de Paldea, Famignol, Hyper Ball, Fragroin, ah, un petit shiny, ou grande d'ailleurs, non, petite. Oh, la lumière, s'il te plaît, arrête de faire ça. Merci. C'est quoi, type acier ? Cisaiox, celle-là, elle est vraiment belle. Vraiment belle. Très content. Belle petite shiny. Derrière, reverse de Lupio et holo de Motisma. Ça, moins cool. Bon. Deux hits déjà dans la Pokébox. Est-ce qu'on va réussir à en faire un troisième ? Parce qu'après, il reste déjà plus que deux Pokébox et puis c'est torché le bazar, hein. Ça ne gondole pas du tout. Est-ce que la gondolation est cassée ? Loclas, Fulgulero, Feblobol, Lanturne, Reverse de Maganon, Tombéro, Full Art, ok. Ok, donc c'est la même. Le juge, imprimé... Sérieusement. L'impression, c'est pas tout à fait ça, hein. C'est dégueu. L'impression est dégueu. Bon. 3 hits. 3 2. Bah si. À l'instant. Allez, une petite box Dracaufeu, et dans la box Dracaufeu se tient évidemment un Dracaufeu en promo, plus un Dracaufeu alternatif. C'est comme ça, la petite Drac en promo. Bon, j'imagine que ce sera la plus intéressante des trois promos à collectionner, parce que c'est le Drac. Et probablement que les Pokébox Dracaufeu vont être sur le marché secondaire un peu plus chers que les autres. On n'a pas de Pikachu dans la Pokébox. Record à battre, 3 hits sur une Pokébox, et obtenir une halte. Ça ne gondole pas, malheureusement. Salamèche qui appelle le Dracaufeu, évidemment, Menzi Natu, Briochien, Ectoplasma, Générateur électrique, une belle reverse de Motisma Chaleur, dernière non, encore une reverse, et encore une Full Art, mais me remets pas encore une fois la même, hein. Clove, ok, ça va, c'est pas la même. Donc les Full Art, ça tombe aussi, ça.
Il est sympa d'ailleurs le pattern sur la clove, avec sa petite veste motif là. Je l'avais pas eu en main, cette carte, elle est plutôt jolie. Premier hit sur le premier booster. J'ai l'impression que Dracaufeu va nous mettre en veine. Est-ce que j'aurais pas un bon sentiment sur ce petit booster? Peut-être que si. Clove, Fragroin, Camerupt. Pas du tout. Ah, une petite ex, Gardevoir. Deux boosters, deux hits. Ça y est, on est dans le Destiné de Paldea qu'on connaît, celui qu'on aime bien, celui où ça pleut des hits toutes les 3 secondes. Ah, j'ai encore un bon sentiment, est-ce qu'on va faire un triplé? Briochien, Camerupt, Bagaïd, Rivers de Tombéro... Oui! Une alternative! Allez, un Pokémon. Oh, ça pourrait être Gardevoir! Ou Machine, ou Machine! Je dirais alternative de Machine, ce qui est top en dresseur. Oui! Ça, c'est pas mal du tout! Ah, très très belle carte. Et une holo derrière. Ok, on a sorti une alt. Bon, c'est un dresseur, encore une fois, mais c'est pas le plus mauvais. Bien meilleur que ce qu'on avait déjà eu. Donc la petite machine, là, on est content. Est-ce qu'elle est imprimée avec le cul ou pas? Non, elle est bien imprimée. Il n'y a pas de point blanc. 3 boosters, 3 hits sur la Pokébox. Pour l'instant, c'est celle-là qui nous donne le plus de hits et les meilleurs hits. Est-ce qu'on pourrait avoir encore une petite gondolerie? Oh, 4 boosters, 4 hits minimum. Y'a un truc, Bagaïd, y'a un truc, Quencia, non, pas maintenant la light. Quoi, peut-être le juge. Magmar. Ah, c'est une vieille ex, Fort Ivoire. 4 boosters, 4 hits quand même. Plus la promo, oui, bien sûr. Hop là. Dernière boîte. Pour casser la baraque. Petite bénédiction, petite invocation. Est-ce qu'on a du Pikachu? Oui, il y en a deux. On garde les Pika pour la fin, et c'est parti. Moi j'aimerais bien en dire un petit Pokémon alternatif, hein, Danone. Un Pokémon, oui. Oh, il est lourd. Oh, le booster est lourd. Il pèse une tonne. Il pèse une tonne. Natou. Y'a un truc. Camille. Y'a un truc. C'est une petite shiny, mais y'a un truc quand même. Oh, c'est une grande shiny, une full art. Mew! Let's go! Ça, c'est top! Top, 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 Maganon, Tombéro, on s'en fiche. Allez! Ouh, les Dracaufeux, ils sont bien généreux, là. Toujours pas une alt, hein, en Pokémon, mais je pense que parmi les Pokémon qu'on peut avoir dans le set, la Mew, elle est vraiment bien. Ouais, entre 8 et 10, je sais plus, parce que comme il y a beaucoup de promos aussi... C'est pas fini! C'est pas fini! Non, il y a encore une Shiny. Mais alors, Shiny grande ou Shiny petite? Shiny petite ou Shiny grande? Encore une grande! Clopsytra! Mais qu'est-ce que c'est que cette Pokébox complètement butée là? Une AR derrière! Pomme! Ok, 2 boosters, 3 hits. On est sur une belle Pokébox. Là, ça devient intéressant là. C'est ça qu'on veut! Reste 2 boubous
pour réaliser l'impossible et sortir Gardevoir, Mew ou Dracaufeu en alternative, avec des taux de drop complètement abusés sur cette série. Lupio, Chauve-Sourire, Baguiguan, Mordudor, Bagaïd, Ibero, Rhinolove, Reverse, Ah, c'est pas là. Dernier booster, la last pack magic. Il est dedans. Oh oui, ça gondole. Fort. Ouh, je le sens bien. Saint-Salazar, viens ici tout de suite, je le sens bien. Famignol, Colline Claire de Lune, Reptincelle. Ça va être une vieille holo. Non, il y a un hit déjà. Petite shiny rouge. Reptincelle. Karmadura. Derrière, il n'y a pas d'alt, mais on a encore un truc derrière. Ah non, c'était un... Oh, la vieille holo qui nous a piégé. On s'est fait U. Bon, il y avait quand même un hit. On a eu 4 hits dans la boîte. Au global, si on doit récapitulariser tout ce qu'on a eu dans ces Pokébox, on a fait... Ça, c'est une promo, je la veux pas avec. Voilà, les hits qui sont sortis des boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hits en 24 boosters. C'est comme d'habitude sur Destinée de Paldea, indécent. Parmi ces 16 hits, on retiendra le Mew et on retiendra Machine. Le reste sont des hits... Non, Cisaiox aussi, quand même très très belle carte. Le reste est assez classique. On a eu 3 jolis hits sur la boîte, dans l'ordre Cisaiox, ensuite Mew et en premier lieu Machine, qui est une alternative et elles sont pas faciles à sortir. Donc ça aura été une ouverture tout à fait satisfaisante au global sur Destinée de Paldea. Là, on est très très content. Merci d'avoir suivi cette vidéo, la bonne journée. Au revoir.